Vidéo de présentation des verres de vase Blood Room. Beta Passion 69 propose deux contenants en sachet, version 180 ml ou en 90 ml. Ce sont des verres de vase très appréciés. C'est un verre qui est plutôt gras, donc c'est parfait pour nos loulous. Comme vous le savez, il faut varier la nourriture avec du vivant et des granules professionnelles pour leur équilibre alimentaire. Nous allons vous montrer comment nous vous conseillons pour les garder un maximum jusqu'à 2 semaines. Donc, des réceptions de la nourriture vivante, nous vous conseillons de les rincer tout de suite. Pourquoi? Parce que là, ils sont dans un liquide anesthésiant. Voilà, ça n'a pas l'air très très propre. Donc, des réceptions, vous les rincez. On ouvre le sachet. Hop. À l'aide d'un tamis de rinçage spécifique pour nourriture vivante, vous allez verser le contenu du sachet dedans. Voilà. Vous allez rincer à l'eau claire pour bien les nettoyer. Et il faudra toujours les rincer à l'eau claire avant de donner à manger. Donc après rinçage, voilà. Pour leur donner à manger, rien de plus simple, une petite pince. Vous prenez la quantité que vous souhaitez lui donner ou leur donner. Et après leur avoir donné à manger, vous allez les placer directement dans un récipient style tupperware pour les conserver vraiment maximum 2 semaines. C'est ce qu'on vous conseille et ça fonctionne. Voilà, vous mettez un petit coup d'eau à l'envers du tamis pour que tout le monde tombe dedans. Vous allez mettre 1,5 cm d'eau en moyenne. Voilà. Comme on peut voir, ils commencent déjà à être un peu plus actifs. Hein. Et c'est ça qu'ils aiment, nos loulous. Ça les excite. C'est des chasseurs, il ne faut pas oublier. Hein. Donc c'est pour ça qu'on vous conseille vraiment de leur donner du vivant et non pas du congelé. Pour leur instinct de chasseur, ça les stimule plus. Et après avoir mis 1,5 cm d'eau, vous allez refermer tout ça et le placer dans le bac à légumes du frigo pour les maintenir maximum 2 semaines. Bien penser à les rincer à chaque fois entièrement avant de leur donner à manger.